beaucoup. Bon, je m'installe. Hop. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais essayer de faire. Alors, je vous ai dit que je n'étais pas douée pour les cartes. Hein. Donc, j'étais sur Internet. J'ai regardé pour faire une carte sketch. J'ai dit, après tout, pourquoi je ne ferais pas ça? Donc, je vais essayer de faire une carte sketch avec vous. J'ai déjà co-découpé tous mes morceaux. Je vais essayer de faire celle-ci. Elle n'a pas l'air d'être si compliquée que ça. Bon, j'ai peut-être changé quelques petites choses parce que j'ai pas tout. Mais j'ai fait les grandeurs que je voulais. Hein. Je ne me suis pas occupée de... Bien sûr, je ne vais pas la faire si grande que ça. Mais les morceaux que j'ai coupés sont déjà pas mal. Donc déjà, pour faire un fond... Voilà, je vais regarder quand même mon petit papier. Vous inquiétez pas du bruit, c'est ma machine, mon lave-vaisselle. Je me suis coupé un fond noir 22-17. Un fond jaune, parce que je l'ai fait noir et jaune. Hein. Un fond jaune 21/16 et un autre fond noir qui est en dessous, là, que je ne sors pas pour l'instant, 20/15. Tout ça, c'est mes fonds. Donc, je vais commencer par mettre mon fond noir de 22/17. Dessus, je vais venir mettre mon fond de 20... Attendez que je garde ça à côté de moi. De 21/16. Je vais le mettre dessus en laissant un petit matage de chaque côté. Comme ça. Hein? Je vais essayer. Hein? Je ne vous garantis pas du résultat, mais on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai pris du noir et du jaune parce que bah, j'avais envie. Comme hier, j'ai fait du pastel, et bah, j'ai dit aujourd'hui, je vais faire une autre couleur. Alors là, je ne fais pas de tamponnage, je ne fais pas d'embossage, mais j'ai dit, après tout, j'ai pris plusieurs modèles de sketch, hein, je vais vous montrer d'ailleurs. Alors, ne tenez pas compte de celui-là, parce que celui-là, il a été imprimé, c'est celui que je suis en train de faire, je l'imprime un peu grand, et j'ai pris ces modèles-là, voilà. Donc, je vais voir si je peux les faire. Bon, là, j'ai imprimé un merci, mais un peu trop grand, donc je les ai imprimés un peu plus petits. Voilà, je vous montre tout ce que je fais, hein. Voilà, donc on en était là, je vais coller mes fonds et après on commence avec les découpes, comme je vous ai dit que j'avais découpé, j'ai tout découpé tous mes morceaux, j'espère que j'en ai pas oublié, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 morceaux que j'ai découpés, ouais, 4, 4 et 2, 6 et 2, 8, 9, 10, 11, parce que je les ai devant moi, hein, c'est pour ça. Donc, je vais vous donner les mesures au fur et à mesure que je fais, hein, parce que là, de toute façon, je les ai écrits parce que je ne les ai pas en tête du tout, du tout, du tout. Donc, c'est un modèle que j'ai pris comme ça. Alors, on peut aller sur Pinterest. Moi, j'ai tapé sur Google, carte sketch à imprimer ou modèle de... Non, j'ai tapé modèle de carte sketch. Voilà. Modèle de carte sketch. Et puis, ben, je suis tombée, il y en a plusieurs. Ou alors, si vous allez sur Pinterest, là, vous allez en trouver... des tonnes. Hein. Bon, je pense que celle-ci, elle a déjà été faite, mais... hein. Moi, c'est juste, comme je vous dis, je m'entraîne à faire des... Alors après, j'essaierai de la faire plus petite dans les... Comment? Dans les grandeurs de... Comment? Dans les grandeurs normales. Parce que là, c'est vraiment pas une grandeur normale que j'ai pris. Hein. 22/17, ça fait une grande carte. Hein. Ben, ça pourrait presque faire une page... ça pourrait presque faire une page d'album, quoi. Et je suis en train de partir de travers, déjà, vous voyez. On va essayer de se mettre plus droite. Alors, comme ça. Pourquoi je démarre là? Je ne sais pas. Voilà, on va y arriver. Hein? Voilà, ça me plaît. Bon, ça me plaît, oui, un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Hein? C'est un peu de travers, mais bon. On va dire que ça va. Hein? Voilà. Ensuite, je vais prendre mon morceau. Alors, attendez, parce que là, je vais sortir cela. Là, celui-là, je vais le mettre là, celui-là, je vais le mettre là.
Eh oui, ça en fait pas mal, hein. Celui-là, je vais le mettre là. Voilà, que je me rappelle un petit peu ce que j'ai fait parce que. Alors, je vais reprendre mon morceau noir qui fait 20 sur 15, que je vais venir mettre aussi en matage comme ça. Parce que j'avais commencé à faire avec que le fond jaune, mais ça me plaisait pas. Donc, j'ai refait un fond. Donc, ça va me faire trois fonds, quoi, si vous préférez. Ça va me faire trois fonds. Donc, bon, c'est pas grave, hein. Attendez, je vais retirer mon gilet parce que là. J'ai un petit peu chaud. Je sais pas si c'est de parler ou quoi, je sais pas, mais j'ai un petit peu chaud. Pourtant, mon feu est éteint. Je l'ai laissé s'éteindre parce qu'on a du soleil. Bon, il se cache, il revient, mais ça va, c'est correct, hein. Pour l'instant, je le rallumerai dans la soirée. Je vais rallumer mon feu dans la soirée. J'espère qu'on va aller sur les beaux jours. Enfin, j'espère. Maintenant. Donc oui, j'ai dit, je vais essayer de faire une carte sketch. Pourquoi pas, hein. Comme je n'ai pas d'idée, ben, je cherche pour essayer de parler avec vous un petit peu. Et puis, être avec vous pendant une petite demi-heure, ou peut-être un peu plus, ou peut-être un peu moins, je ne sais pas. Je ne sais pas encore combien de temps ça va durer. C'est du collage. Bon, une fois qu'on a tout découpé, c'est sûr. Ça va plus vite, hein, mais de tout découper, j'aurais pas pu découper tout en vidéo, c'est pas possible. Ça faisait trop de calculs parce que là j'ai calculé quand même un petit peu dans ma petite tête de piaf, comme je dis toujours. J'ai calculé un petit peu ce que j'allais faire. Et puis voilà quoi. Bon, alors là je vais essayer de le mettre un petit peu plus droit parce que je m'aperçois que mon fond jaune il est pas terrible, hein. Mais bon, c'est pas grave, on va se débrouiller quand même. Comme je dis toujours, on se débrouille. Hein. Voilà. Donc pour l'instant, ça me fait un fond comme ça, avec trois épaisseurs de fond. Voilà. Ensuite, alors, j'ai un morceau qui fait. Attendez, parce que il doit faire 13 sur 8, je crois. Ouais, 8 sur 13. Non, sur 12. Parce que j'ai recoupé. J'ai recoupé un petit peu. Je trouvais que ça n'allait pas. Oui, c'est vrai. Que je vais venir mettre ici. Oui, vous voyez rien du tout. Que je vais venir mettre ici un morceau comme ça. Comment je pourrais vous mettre? Parce que oui, je peux pas pencher trop, sinon le téléphone il tombe. C'est pas évident. Mais je vous montre au fur et à mesure ce que je fais. Hein. Donc là, je vais pas mettre de double face parce que j'ai l'impression que. Mais non, mais même pas de la colle chaude. Pourquoi je mets de la colle chaude? Mais ça va pas, Monique. Ça va pas, ça va pas. Pourquoi j'ai été mettre de la colle chaude? On n'en sait rien. C'est pas grave, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Que je vais venir mettre avec un petit matage aussi. Ici. Forcément, la colle chaude, elle me fait des bulles, ça. Elle me fait un petit paquet, mais bon, ça va se perdre. Hop. Ah, la colle chaude, elle me gêne. Bon, c'est pas grave. Ça va coller quand même. Ça va finir par coller quand même. Pourquoi j'ai dû mettre de la colle chaude? Vous voyez, parce que je l'ai mis à chauffer au cas où j'en ai besoin. Et comme je l'avais à côté de moi, ben, je l'ai pris. Voilà. Donc là, celui-là, c'est celui qui fait 12 sur 8. Comme ça. Ensuite, j'en ai un autre qui fait 12 sur 6. Même j'aurais pu le faire un peu plus. Oh non, c'est bon. Ouais, 12 sur 6. Que je vais venir mettre là. Mais j'ai envie de le recouper un tout petit peu pour laisser un peu plus dans le milieu. Alors attendez. Je vais le couper à 5,5. Ouais, je vais le couper à 5,5. Ça me plaira mieux. Vous voyez, je recoupe un petit peu parce que. Ouais, un tout petit peu plus. Voilà, que je vais venir mettre là. Oui, ça me plaît mieux.
Oui, mais maintenant il est plus droit. Si ça va aller. Alors, je vous donne les dimensions au fur et à mesure, hein, mais après c'est à vous d'adapter à la grandeur que vous allez le faire. Hein. Une fois que vous avez le modèle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai celui-là qui fait. Celui-là, il doit faire. Je ne sais plus. Alors, je vais regarder. Ça doit être 6 sur 8, je crois. Ouais, 6 sur 8. Ouais, pour qu'il soit de la même grandeur, il faut qu'il vienne ici. Comme ça. Voilà. Donc. Coco, je sais qu'elle faisait des cartes sketch, mais quand elle fait des lives, donc elle a le temps de tout couper, de tout faire, mais si vous coupez tout et vous montrez en même temps, je trouve que c'est assez long quand même. Hein. Faut quand même prendre le temps de. Voilà. Et un autre plus petit là que je vais recouper forcément un tout petit chouille. Alors, attendez, c'est bien celui-là ou c'est celui-là? Je ne sais plus. Celui-là, il fait, j'ai dit, 6. 6 sur 6. Donc, il faut que je leur coupe un tout petit peu pour qu'ils s'accordent avec l'autre. Ouais, il faut que je leur coupe un tout petit chouïa. Ouais, c'est un peu. Enfin, quand vous allez le voir, de toute façon, vous allez comprendre après. Vous adaptez les mesures. Voilà. On va mettre le petit bout ici. Vous ne voyez rien du tout, hein. Franchement. Mais là, si je peux pas me reculer et je peux pas reculer encore la caméra, ça va faire de trop. À moins que je recule encore un tout petit peu. Je vous éloigne de moi. Voilà. Donc pour l'instant, ça fait ça. Ça fait les trois fonds plus ça. Donc après, vous adaptez les grandeurs à ce que vous voulez. Hein. Donc ensuite, j'ai un autre fond de 10 sur 16, je crois. C'est celui-là, oui. Ouais, 10 sur 16. Que je vais venir mettre, je regarde mon modèle quand même. Hein, que je vais venir mettre un petit peu. Comme ça. Voilà. Donc j'évite de mettre du double face parce que sinon ça, si ça colle de trop, ça me gêne. Donc on va mettre que de la colle, hein, pour faire le modèle. Après on adapte les couleurs. Hein. Là j'ai pris ces deux couleurs là parce que j'ai dit ça ressort bien. Ça, bon, enfin c'est pas. Alors, ouais, on espace un petit peu. Je regarde mon modèle parce que. Voilà. Comme ça. Et je vais venir mettre celui-là. Alors, celui-là, si celui-là fait 10 sur 16, celui-là fait 9 sur 15. Que je vais venir mettre ici. Je ne sais pas si je suis claire. Mais j'ai calculé, hein, parce que comme je n'avais pas de mesure, j'ai calculé comment je pourrais faire. Donc. Après, on peut le faire avec des papiers fleuris et tout ça. Hein. Moi, j'ai pris que deux papiers unis, parce que ça me plaisait, tout simplement. Voilà, donc ça fait ça. On en est là. Je vous laisse regarder quand même le temps de voir un petit peu le dessin. Ensuite, on continue. J'ai un autre fond là qui fait, il doit faire 8 sur 10 et demi.
8 sur 10,5 que je vais venir mettre en retrait ici. Alors, je vais le mettre comme ça. Attendez que je regarde encore mon modèle. Ouais, c'est ça. Que je vais venir mettre comme ça. Voilà. Donc, on y va. Une fois qu'on a tout découpé, qu'on a notre modèle à côté de nous, qu'on s'est mis les dimensions. Moi, je me suis fait un petit papier. Si je vous montre ça comme ça, vous n'allez rien comprendre. Hein. Moi, je me comprends dans ma tête. Je me suis fait un petit schéma aussi, comme ça. Je me suis fait un petit schéma où je m'y retrouve. Après, j'admets, c'est pas toujours évident. Alors là, ça dépasse un peu le truc et ça vient là. Hop. Essaye de le mettre à peu près droit. Hein. Et j'en ai coupé donc, si ce lait noir faisait 8 sur 10,5, celui-là fait 7 sur 9,5. Que je vais venir mettre. Je regarde le temps, mais je pense que c'est bon. Je crois que je suis reparti à zéro, donc j'ai une heure devant moi. Je vais pas filmer pendant une heure, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Et que je vais venir mettre ici. Toujours avec les matages. Voilà, pour l'instant, ça nous donne ça. Alors ensuite, sur le modèle, il montre qu'il faut mettre une fleur. Mais moi, j'en ai, mais elle est vraiment trop grosse, vous voyez. Puis elle ne va pas du tout dans le ton. Je ne peux pas mettre ça. J'en ai pas d'autres. Je ne peux pas mettre ça. Ça ne ferait pas beau. Vous voyez, une fleur, je ne peux pas mettre. Donc, je me suis dit, pourquoi je ne mettrais pas une petite bulle. Comme ça. Que je mettrais ici. Avec le petit mot. Merci collé dessus, comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aurais pas dû. Il faudrait que je le jaunisse un peu, mon petit mot. Ouais, je vais voir ça après. Bon, ensuite ici, je pense que c'est une dentelle qu'ils ont mis. Mais moi, je vais mettre. Alors, j'ai sorti ça. Donc en noir, hein, parce que ça va aller avec le fond. Ou du croquet. Mais je pense que je vais mettre le croquet. Je trouve que c'est plus joli. Alors, là, il est entre... Moi, je vais le mettre à ma façon. Hein. Je vais le mettre là. Ouais. Oui. Je vais le mettre comme ça. Ou je laisse sans. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. Si je dois le laisser sans ou avec. J'aime bien sans. Et avec, je trouve que ça fait un peu... ça fait un peu d'œil. Non ? Bon, on va voir. Je vais le coller, on verra bien ce que ça donne. Hein. Donc, je vais me faire quand même une petite marque. Hein, pour que ça soit à peu près droit. Je vais me faire une petite marque, je vais me faire des petits traits. Hop. À peine visible, puisque de toute façon, ça va être dessus. Et je vais mettre, alors là, c'est pour ça que j'avais mis mon pistolet de colle chaude à chauffer. Mais je suis en train de penser que la bulle, ça ne me plaît pas plus que ça non plus. Ben, je vais voir. Hein. De toute façon, comme je vous ai dit, c'est des essais que je fais en ce moment. Voir si je me débrouille à peu près pour couper... Et ça donne ça. Alors, est-ce que je... Alors, avec du jaune. Ah bah oui, maintenant que j'ai ce qu'il faut, on va le faire. Du jaune. Et mon tampon. J'en ai pas un autre plus soutenu. Hein. Oh, c'est pas grave. Allez, on va faire comme ça. On va mettre... Ma mouche jaune, elle est là. Hop.
C'est un peu trop jaune. Hop. Est-ce que ça va aller? Je doute. Je doute, je doute. Attendez. Je range mon petit bazar. Je vais mettre ça là. Et ça, par contre, il faudrait que je fasse un tour noir sur ma bulle. Enfin, pas sur ma bulle, mais sur... Ouais. Attendez, je reviens, je prends ce que j'ai besoin. J'aime bien parce que quand on fait quelque chose, on fout tout en l'air. Alors, j'ai celle-là. Ouais, je vais faire comme ça. Alors, il me faut un tampon. Ouais, mais lequel je vais prendre? Je suis pas habituée à me servir des tampons, moi. Bon, j'en prends un comme ça, on verra bien si ça marche. Si ça marche pas, et ben, ça marchera pas. Et puis voilà, hein. On va pas... On va voir ce que ça donne. Ouais, ça devrait le faire. Je sais pas si avec ce tampon là ça peut marcher beaucoup. Ça fait un petit moment que je l'ai celle-là, mais ouais, c'est pas concluant. Ça me plaît pas des masses, mais bon, on verra bien. Je vais mettre un bout de double face du épais. Et là. Hop là. Ma chaise grince toujours. Hein. Alors, on retire la petite pellicule. J'aurais pu sortir un... Moi, je le mets ici. Ouais, je pourrais le mettre ici. Ouais, j'ai envie de le mettre là. J'ai envie de le mettre là. Ouais, que de le mettre dans le coin. Là. La fleur encore, je veux bien, mais non. Ici, ça fait vide. Je vais le mettre là. Ouais, je vais faire comme ça. Hein. Bah, on a le droit de changer. Hein. Mettre comme ça. Il aurait fallu que je sorte une petite perle noire pour cacher ici le petit trou. Mais petite perle noire, je ne vais pas avoir ça ici sous la main. Donc, est-ce que j'aurai ça? Ça non, ça non, ça non, ça non, non, j'ai pas en noir, un doré non plus, un doré peut-être,
Non, j'ai pas. Donc, peut-être essayer de mettre une petite boule dorée juste pour cacher le trou. J'ai pas besoin de. Ouais, je fais à ma sauce, hein, comme je vous dis toujours, je fais à ma sauce, moi. Hein. On va y arriver, hein. N'inquiétez pas. J'ai déjà. Mais je range à chaque fois. Vous avez vu le bazar que j'ai? Non mais franchement. Voilà. Et puis pour rattraper un petit peu la petite perle dorée, je vais en mettre deux ou trois là. Ouais. Allez hop, on y va. Vous voyez, c'était pas du tout prévu dans mon truc là. J'avais pas du tout prévu ça. Mais en fin de compte. Voilà. Hop, je remets ça, je vais ranger ça après, tout ça, je vais ranger ça, tout ça après. Et voilà ma petite carte terminée. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, ça fait un peu gros là, hein, quand même. Hein. Mais ça change. Comme ça, mon modèle, c'est ça. Attendez, que je change mes trucs là. Voilà. Je vais vous montrer le modèle. Alors, le modèle, c'est ça. Et moi, j'ai fait ça. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai changé un tout petit peu. Pas grand-chose. Hein. Je n'ai pas changé grand-chose. Mais j'ai fait à ma façon. J'ai fait les grandeurs à ma façon. Et puis, voilà. Donc en suivant le modèle, moi c'est ce que je me suis dit, il faut faire un fond, il faut faire double fond, après ben, on s'arrange, hein, on met nos papiers comme on veut et ça fait une carte. Mais il aurait fallu que je la calcule beaucoup plus petite, près de la moitié il aurait fallu, parce que oui je vous ai dit elle fait 20 je crois, elle fait 22 sur 17. Donc j'aurais fait, mettons 22, 11 sur 17 et la faire dans l'autre sens. Ouais, c'est faisable aussi. Il faudrait que je recalcule et voir si je peux la faire. Bah, je ne sais pas si je ne vais pas essayer de la refaire, mais à la moitié, en moitié, puis une autre couleur, je vais voir. Donc déjà, je vous montre celle-là et mon petit modèle. À moins que je refasse un autre modèle, mais plus petit. Voilà. Si je vais essayer de faire peut-être, je sais pas, peut-être celui-là, là. Mais il faut que je trouve, je vais essayer de trouver, ben j'ai des tampons maintenant, je peux trouver quelque chose à mettre là. Enfin, je vais voir, je vais étudier ça. Déjà, j'ai fait celle-là. Vous me direz ce que vous en pensez de ma petite carte. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la prochaine vidéo, peut-être la même en plus petit ou peut-être l'autre, je ne sais pas. Je vais voir, je vais étudier le problème. Avant, il faut que je range d'abord tout pour que je m'y retrouve. Parce que là, c'est juste pour une carte, tout est pris. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!